s'éteindre maintenant. Il faut qu'on trouve un nouveau plan. Et n'oubliez pas, mesdemoiselles, que c'est le port de bras et la grâce qui font la danseuse. Je veux bien, mais je vois pas comment je pourrais être plus gracieuse que ça. Je vous avertirai quand vous le serez suffisamment, mademoiselle Le Breton. Je vous trouve très gracieuse, mademoiselle Le Breton. Une vraie reine des cygnes. Calez-vous sur la musique et concentrez-vous sur vos bras. Vous voulez pas rigoler un peu ? Léna est plutôt du genre à l'ancienne. Je trouve qu'elle a quelque chose de spécial. Mais Théa, c'est quand même... Théa ! C'est une super danseuse et en plus, elle a des tonnes d'abonnés. Normalement, je devrais pas hésiter, mais... je veux être sûre de faire le bon choix. Je parie que Madame Carré préfère le style de Léna. C'est dur de devoir choisir. Mais il y a moyen qu'on s'amuse. On nous observe. Elle cherche une petite mère. Comment ça ? Elle cherche une sorte de marraine. Elle est adorable. Comment devient-on petite mère ? Ce sont les petites qui te le demandent. T'es même pas sur les réseaux sociaux, alors bonne chance. J'en aurai pas besoin. Je vais devenir une petite mère incroyable. Demain, il y a une répétition de la compagnie. Celle qui m'aura fait la meilleure impression pourra y assister. L'heureuse gagnante pourra se faire accompagner de sa protégée. Le cours est terminé. Léna ? Vous n'étiez pas là l'année dernière, alors je comprends que vous ayez encore du mal avec la chorégraphie. Je vais progresser. Je n'en doute pas. Vous avez jusqu'à demain. Théa vous aidera. Bien sûr. Avec plaisir. On doit faire bonne impression à Madame Carré, mais difficile sans connaître la choré. Alors tu ferais mieux de me l'apprendre. Parce que si j'échoue, Madame Carré te le reprochera. Ouais, c'est ça. Tu cherches une petite fille ? Salut. Et oui, viens. Génial. Elle est tellement mignonne. Tu pourrais lui donner des cours de couture et lui apprendre les bonnes manières. Ouais, c'est une super idée. Toutes les filles rêvent qu'on leur apprenne à coudre et à se taire. Et si personne ne me choisit ? Gabrielle s'en rendra compte. S'il te plaît, arrête avec cette fermeture. Mais c'est stupéfiant. C'est un incroyable gain de temps. Ça remplace au moins 20 boutons. Alors, patron, t'as compris ce qui s'était passé ? J'en sais rien. On était sur le point d'attraper le pendentif, mais Léna, elle lui a fait quelque chose. Peut-être qu'elle s'en est servie pour nous faire quelque chose à nous. Oui, Clive, elle s'en est servie pour nous faire quelque chose. Ça paraît évident. Son pendentif a des pouvoirs qu'on ignore. Et en plus, maintenant il nous manque une montre. Je l'ai seulement sorti pour regarder l'heure. C'est son petit ami qui l'a volé, il faut en prendre à lui. Je veux tout savoir sur ce pendentif. Sur Léna et sur son petit ami. Comment il s'appelle déjà ? Hé ! Comment tu t'appelles déjà ? Clive. Oui ? Quand tu vois la personne qu'on recherche, t'es censé nous dire « il est là ». Hein ? Allez, viens ! Qu'est-ce que ça dit ? Il paraît que tu te débrouilles pas mal comme danseur. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est de la part de Paul G. Yo ! C'est qui, Paul G ? C'est juste le meilleur chorégraphe de hip-hop. Ouais. Et je viens avec toi. Jeff, j'ai pas dit que j'allais y aller. Le blog doit rester secret. T'as oublié ? Je sais même pas où il a eu mon numéro. Tu lui poseras la question quand on le verra. Bon, allez révéler que vous appartenez à un groupe de danse secret si ça vous chante, mais ce sera sans moi. A plus. On n'a pas besoin de lui. Tu sais quoi ? On va y aller.
J'ai énormément appris de Clarisse. Non seulement elle m'a appris à faire un chignon parfait, mais elle m'a aussi montré comment soulager mes pieds avec de la viande crue. Oh. Je rigole. Ce serait dégoûtant. Excuse-moi, Léna? Avec plaisir. Enfin, je veux dire oui. Tu veux bien être ma petite mère? Je veux être la meilleure. Oui. Merci, Violette. Tu vas voir, je vais être la meilleure petite mère du monde. Merci beaucoup. Je ne te décevrai pas. Faut que j'aille en cours. À tout à l'heure. D'accord. À plus tard. Tiens. Maintenant que t'as dit mon nom, vas-y. Tu veux bien être ma petite mère? Je veux être la meilleure. Tu as des larbins? De... Alors écoute bien, c'est parti. Mec, ça déchire! Paul G, j'ai invité qu'une personne. Non mais sérieux, l'été dernier à Berlin, la battle de danse sur le container, c'était vraiment un truc de fou. Mec, je m'appelle Jeff, c'est un honneur. Et toi, c'est Max? Ouais. Je vous laisse. Merci pour l'invitation. Et pour les indications. Tu piges bien qu'il faut qu'on reste discret. Parle-moi un peu du bloc, je suis curieux. Qui t'en a parlé? J'ai des relations, mon pote. Montre-moi ce que tu sais faire. Maintenant? Ouais, montre-moi quelque chose. J'ai peut-être une place pour toi dans mon groupe. Je suis prêt. Attrape-le ! Assieds-toi. Tu m'en veux, je suis désolé. Mais si tu m'avais écouté, Léna ne serait pas bloquée dans le futur et il n'y aurait pas de problème. Je sais, mais pour le moment, nous avons un souci à régler. Il ne faut surtout pas perdre de temps. Toi, tu ne vas rien régler du tout. Je t'envoie en pension à la montagne, le temps que je gère ça. Seul. Ça, c'est une bonne idée. Je vais faire mon sac. Qu'est-ce qui t'arrive? Henri, explique-moi. Voilà ce qui m'arrive. C'est terminé. Vous resterez ici jusqu'à ce que je puisse vous amener au pensionnat où je pourrai enfin vous enfermer. Non, attends! Attends, papa! Papa! Non! Salut, Henri. Tu croyais que tu allais nous échapper? J'ai une surprise! Des paillettes! Mais on n'a pas le droit de mettre des paillettes. Et en fait, tu n'en as pas besoin. Ton chignon est magnifique. Tu as même l'air encore plus gracieuse sans. Et la grâce, c'est important? C'est même essentiel. Et avoir son propre style, c'est important? Oui, carrément. J'aimerais me démarquer des autres. Comme Théa. Tu sais, il y a plein de façons de se démarquer. D'ailleurs, la prochaine fois que tu me verras, je serai tellement démarquée que tu n'en croiras pas tes yeux. À tout à l'heure. Ok, il faut que tu les exploses, mec. Tu réussis, le bloc va gagner en crédibilité et on pourra se mesurer à tous les crocs qu'on veut. Je sais déjà tout ça. Ok, bon, d'accord, peut-être que j'en fais un peu trop, mais s'il te plaît, éclate-les!
Merci d'être passé. Il faut toujours avoir l'air sûr de soi, c'est le plus important. Ne t'occupe pas des autres. De toute façon, le plus important, c'est toi. Léna m'a dit que c'était la grâce le plus important. La grâce, c'est pour ceux qui n'ont aucune présence. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu parles à Mademoiselle Parfaite? C'est elle qui t'a coiffée comme une mamie. Écoute, si tu cherches à devenir invisible, alors vas-y, fonce, suis ses conseils. Oh, salut! Quoi de neuf? Rien, à part que tu viens de commettre un fashion faux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'aime bien. C'est stylé. Premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, tu veux quoi? J'avais simplement envie de donner quelques conseils de mode à ma protégée. Protégée? Tu peux m'expliquer? J'arrivais pas à choisir, alors je vous ai demandé à toutes les deux. Je vois. Cette fois, c'est la guerre. Bonjour Violette. Tu as déjà fini de travailler avec Théa? Nous répétons tout à l'heure. Je ne peux pas l'affronter le ventre vide. Pourtant Théa m'a dit que vous aviez prévu de vous voir avant les cours, dans le studio C. Elle a déplacé notre répétition? Mais pour quelle raison? Heureusement que tu me l'as dit. Merci. Tu gagnes des points avec le petit-déj, mais j'aime pas le lait de vache, donc tu les repères. Tu ne devais pas répéter avec Léna dans le studio B? Le studio B? On va en salle de répétition A, mais dans une heure. Léna m'a dit que ça avait changé. Elle t'a envoyé un mail. Elle sait pas qui est l'affaire. Salut. Je t'ai apporté le petit-déj. Pourquoi? Je me suis dit que ça avait dû t'ouvrir l'appétit de te manger un mur. Oh, détends-toi. Une danseuse plus expérimentée t'a pulvérisé, c'est rien. Ça arrive à tout le monde. Dash, c'était peut-être notre seule ouverture pour se faire une place sur la scène hip-hop. Et là, moi, j'ai tout gâché. Max! Moi, j'ai faim. Sérieux? Théa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu changes l'heure de notre répétition et tu ne viens même pas. Mais où étais-tu passée? Et toi alors? T'as changé l'heure et la salle. Tu veux me faire échouer? Non, pas du tout. Je me alors, fiche de... Arrête de... Bonjour. Théa, Léna. J'aimerais voir où vous en êtes avec la chorégraphie. Léna n'est pas au point, Madame Carré. C'est vrai, Léna? Oui, Madame Carré. Eh bien, c'est très décevant. Vous avez jusqu'à la fin de la journée. Soyez prête. Alors, t'es prête à en mettre plein la vue à Carré? Tout est sous contrôle. T'es sûre? Tu devrais pas aller répéter plutôt que de fabriquer des trucs pour ta vilaine petite protégée? Oh, elle est pas si terrible et ce n'est pas ma protégée, en tout cas pas encore. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Je veux juste qu'elle me choisisse. Oui, je sais. Mais la seule manière de battre Théa, c'est d'assurer devant Madame Carré. Tu as raison. Qu'est-ce que je fabrique? C'est ce que j'essaie de te dire. Si elle te choisit, Violette n'apprendra rien, à part prendre un selfie et avoir des larbins comme amie. Et tu crois qu'elle serait mieux avec toi? La pauvre fille qui trouve que tout est merveilleux et palpitant. Salut. Quoi? Quand mes amis et moi, on n'est pas d'accord, on aime bien régler les choses d'une façon amusante. Par exemple, par un concours de pli et relevé. Vous êtes sûrement trop vieille pour faire ça, mais ça pourrait être marrant. Tu pourras jamais me suivre. Je t'ai déjà dépassée. Quand on y réfléchit, nous avons tous le même objectif.
Waouh, toi aussi tu veux aller visiter toutes les époques? Quelle coïncidence! Aïe! Dès qu'on sera sorti de ce pétrin, je te jure que je te le ferai payer. Aucun de nous ne veut être retenu dans un pensionnat. Nous voulons tous retourner dans le futur. Trouvons le moyen de nous échapper. Une fois dehors, vous pourrez essayer de m'attraper. Qu'est-ce que tu proposes? Le conduit d'aération. Je m'y cachais quand j'étais enfant. C'est le seul endroit où mon père ne m'a jamais trouvé. Il débouche sur quoi? J'en sais rien. En tout cas, il débouche pas sur le pensionnat. Clive? Oui? Grappe là-dedans. Mais pourquoi toujours plus moi? Plus vite que ça, Clive, merci. Tourne. Et quoi? Tourne! Allez, dépêche-toi. Je fais ce que je veux. J'ai oublié mon sac. Surtout, tiens-toi, Caro. En forme. T'en es sûre? T'as l'air bien essoufflée. Non, c'est une technique de respiration que j'ai apprise au yoga. On dit yoga, pas yogal. Ça suffit maintenant. Madame Carré va arriver et t'es déjà crevée. Si tu te secoues pas, tu vas te faire recaler. Et ce serait pas cool du tout, alors apprends cette choré. Ok. Regarde bien. J'imagine que vous êtes prête, mademoiselle. Tout bien réfléchi? Je pense que nous allons commencer par une longue série de pliés relevés. J'espère que vous avez retenu la leçon. Oui, madame Carré. Inès, merci d'avoir tenté de mettre fin à ces enfantillages. Et merci d'avoir été un si bon exemple pour votre protégée. J'espère que la répétition vous plaira et qu'elle vous sera utile. Assurez-vous qu'elle le soit aussi pour la petite. Merci, madame Carré. Quant à vous deux, la compétition entre danseurs peut être bénéfique, dans une certaine mesure. Je ne tolérerai plus qu'on me fasse perdre mon temps, me suis-je bien fait comprendre? Tant mieux. En place. Et plier, relever. Plier, relever. Tu me fais ça à moi? Faut que je prenne un bain. Avec mon savon à la lavande. Tu sais très bien que les rames fichent la trouille. T'aurais pu me prévenir. C'était horrible. Henri, c'était une excellente idée. Je te laisse 5 secondes d'avance. Et 1, et 2, et 5. Attrapons-le! Juste les 10 dernières fois. T'essayes un nouveau mouvement, là? C'est celui de la danseuse de Paul G. J'arrive pas à le refaire. Pourquoi tu veux la copier? T'allais dire? Pour le coup, il a raison. Et ils envoient du lourd. Je veux pas qu'on soit encore humiliés. Tu sais, il y a pas que toi dans le groupe. C'est pas parce que t'as raté une fois qu'on est tous finis, mec. C'était un piège, cette invite. Et ensemble, tu sais qu'on peut les battre? Il nous faut de nouvelles idées. Bah, on va en trouver. Allez, c'est parti. Ok. Je pensais à un truc du style. Mais en tournant. Pas mal.
Ouais, ça peut être stylé. Ça donnerait un truc genre... Boum. Ouais. Je crois que je vais rester dormir là. Moi aussi. Bouge. Je veux pas de toi. Je ne peux pas. J'en ai pas la force. Je te la laisse. Non, merci. Même si elle a aimé ma tenue. Elle a menti. Elle aurait pas dû nous chercher. La dernière qui a essayé de s'en prendre à une troisième division a fini collée tout le reste de l'année. Elle nous a privés de répétition. Et puis on s'est ridiculisés devant Madame Carré. Faut-il que je prévienne Madame Carré? J'ai du papier à lettres parfumé dans le secrétaire de ma chambre. D'abord, n'utilise plus jamais le mot secrétaire et ensuite, non. On lui enverra un mail. Je suis désolée, j'ai cru que ce serait une bonne idée de vous mettre en compétition. Crois-tu vraiment que c'était une bonne idée de monter deux danseuses l'une contre l'autre? On est une famille, c'est très mal ce que tu as fait. Mais tout le monde sait que vous vous détestez. C'est quoi cette histoire? Tout le monde sait que j'adore Léna. Oui, et que j'adore Théa. Ce qu'il y a entre nous deux, c'est... de la concurrence amicale. Toi, ce que tu as fait, c'est du sabotage. Exactement. Alors, comme punition, tu vas aller ranger ma chambre, me coudre mes rubans et astiquer mes trophées. C'est vrai? Après, on verra. Tu vas devenir sa petite mère? Pourquoi pas? Elle a réussi à nous mettre en concurrence. Cette petite est un génie diabolique. Elle est mauvaise. Rectification, elle est comme moi. Elle a besoin qu'on l'aide à développer son potentiel. Je vais à la répétition. T'as besoin de quelque chose? Oui, d'une nouvelle paire de pieds. Désolée, j'ai pas ça en stock. Alors peut-être... Oh, d'un peu de sel de la mer morte. J'aurais bien besoin d'un bain de pieds. Fais-toi un massage. Oh, tu es tellement gentil. Pose la glace ici, s'il te plaît. Je croyais que t'avais dit que c'était fini, les fioles. C'est important qu'elles aient des modèles. Ah, ça fait vraiment du bien. Allez, viens. Amusez-vous bien. Et merci. Il y a des origamis là-bas.